Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 21 décembre 2020 sur l'hippodrome de Chantilly. Débriefons d'abord du quintet plus de la veille qui se disputait sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi après-midi. JMB s'impose une nouvelle fois grâce au numéro 14, Sobel Conway. Sans grande surprise, lors d'une arrivée très simple à déchiffrer, Top Prono et Turf Sélection donnent le quintet plus dans le désordre. Une égalité est à noter en tête du concours de pronos gratuits. Hippocampe et Grenadine marquent 270,50 grâce à Quintet Plus dans le désordre, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Rambo complète le podium en inscrivant quelques petits points de moins que les deux premiers cités. Bravo à tous les trois. Allez, place maintenant au tiercé quarté Quintet Plus du lundi 21 décembre 2020. Prenons la direction de l'hippodrome de Chantilly où les galopeurs seront à l'honneur lors du prix de la piste des Lions. Au départ du parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré, 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus tenteront de l'emporter. Une fois encore, l'épreuve s'annonce très rythmée et il faudra tenter quelques coups lors de son pronostic. Mille Sabor, le numéro 5, est un élève de la famille Collet qui a été très malchanceux en dernier lieu. Âgé de 4 ans et en pleine possession de ses moyens actuellement, si Sébastien Maillot se sort du numéro 15 dans les stalles, il devrait logiquement lutter pour la victoire. Wonderboy, le numéro 3, est un élève de la famille Montfort qui enchaîne les bons résultats. Confirmé à cette valeur et équipé d'œillères australiennes, si Michael Barzalona lui donne le bon parcours, il peut trouver une juste compensation à tous ses efforts. Darchano, le numéro 1, vient de s'imposer à ce niveau avec une certaine autorité. Logiquement pénalisé au poids, il compte sur l'aide de la bonne Sybille Evoct pour montrer qu'il est capable de porter victorieusement 60 kg dans ce quintet. Pegasus, le numéro 4, est un cheval que nous aimons bien et qui a toujours montré de la qualité. Lauréat de Quintet Plus il y a quelques temps de ça sur l'hippodrome d'Angers, il a confirmé ensuite par une quatrième place. Théoriquement, il doit terminer dans le quartet. Troisillet, le numéro 13, est un outsider très amusant. Avec l'aide de Marie Bellon, il peut faire sauter la banque. Sénateur Frost, le numéro 7, confié au talentueux Alexandre Roussel et donnant toujours le meilleur de lui-même, peut s'offrir son Quintet Plus à l'âge de 7 ans. En sinon partant, il venait à y avoir, Art Premier, le numéro 8, avec l'aide du talentueux Stéphane Pasquier, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.